Oui? Bon, le prof de proba cours a demandé de venir faire un CPC maintenant. Enfin, un CPM, pardon. Maintenant. Ben, en fait, je sais pas s'il y a des problèmes ou non avec la section. Non, mais Enfin, si la section rencontre des problèmes ou pas. il a dit que le CP c'était à 15h, donc juste après mon TD. Non, le CPM, pas le CPC. Du coup, c'est que le module. Maintenant. Ben, il cherche le lien pour ce meeting. En gros, il veut venir dans ce meeting pour parler de la D'accord, oui. probabilité. Envoie-lui le lien. Alors, vous arrivez à voir l'écran. Oui. Alors, on va terminer vite fait les quatre premiers exercices de la série passée. Donc, normalement, c'est facile. Est-ce que vous avez essayé de les préparer à l'avance? Certains? Alors, pour le premier, ils nous disent que deux joueurs A et B entament une série de N parties de jeux vidéo. Chaque partie se termine par la victoire de l'un des deux joueurs et la défaite de l'autre. Si toutes les issues du jeu sont équiprobables, quelle est la probabilité pour que le joueur A gagne exactement M parties, sachant que M est inférieur ou égal à N? Donc, à votre avis, comment est-ce qu'on va calculer cette probabilité? Alors? Comment? Oui, mais c'est égal à quoi la probabilité? Donc là, en général, c'est le nombre de cas possibles sur le nombre de cas entiers. Donc pour l'instant, si vous voulez cette série, ne traite pas les lois binomiales, Poisson, etc. Donc, comme on avait l'habitude un peu de calculer, ça sera égal à combien? Donc, déjà gagner n parties, on peut l'exprimer comment? Non? Vous vous rappelez pas, donc les combinaisons, les arrangements, etc. Donc c'est en relation avec ça. Donc gagner M partie parmi N. C'est équivalent à quoi? Donc les deux joueurs entament N partie. Voilà, c'est CMN. Donc c'est M parmi N. Sur le nombre de cas possibles, ça sera combien? Du moment qu'on a deux joueurs. Donc on a pour chaque joueur une partie. Donc le joueur A, il peut jouer la première partie, il peut également jouer la deuxième. Le joueur B, il peut jouer la première et la deuxième partie en même temps. Le joueur A peut jouer la première et B joue la deuxième, ou bien l'inverse. Donc ça, c'est équivalent à quoi? Tous les cas possibles.
C'est un ou non? Non. Du moment que je suis en train de dire que le joueur A a joué la première et en même temps la deuxième. C'est N, N plus 1. Non. Si par exemple vous avez trois parties, combien, quel est le nombre total de parties jouées par les joueurs, sachant qu'on en a deux. 6. Donc le joueur A peut jouer les deux, ou bien le joueur B peut jouer les deux, ou bien le joueur A peut jouer la première et B joue la deuxième, ou bien B joue la première et A joue la deuxième. Donc c'est 8. Donc c'est pas parce que le A il joue la première que le pas forcément qu'il puisse jouer la deuxième, si vous voulez. Et donc on aura un chiffre en bas qui est supérieur à un nombre de combinaisons. Et c'est quoi? Donc pour 3 parties, j'ai 8, pour n égale à 3, j'ai au total 8 parties possibles. Donc c'est équivalent à... Voilà, 2 à la puissance n. Donc la probabilité pour que le joueur A gagne exactement n parties, donc c'est cn n sur 2 à la puissance n. Voilà, donc c'est mn sur 2 à la puissance n. Donc, comme je vous ai... il est là, le... Bonjour, monsieur. Vous arrivez à m'entendre? Oui, Anne. Non, je parle de monsieur Aïssani. Non. Parce qu'il vient d'envoyer une invitation. Ah oui, j'ai bien entendu. Je crois que le son a été désactivé par les tout seul dans le jeu. Oui, je vous ai envoyé un message. Ça y est, j'ai réactivé le son. Okay. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on est ici à la réunion pour Vincent de CTC à 15h30. Donc, si je n'ai pas reçu le lien, on peut le faire juste avant la réunion, 15h30. Et on verra. Okay. Donc, je disais que c'est un comité pédagogique de coordination entre tous les modules. Oui. Non, avant, il y a le CPM, c'est-à-dire modulaire. Le comité modulaire. Voilà. Donc, j'ai dit que, bien sûr, il y a des problèmes d'enseignement semi-présentiel.
pose problème. Oui. Et puis, il y a un petit décalage, je crois, entre le cours de télé. Oui, mais oui. C'est rattrapable. Voilà. Oui, le problème, c'est qu'en présentiel, à Déclair, on n'arrive pas à faire grand-chose. Il y a parfois beaucoup d'absents. Oui. Et il faut répéter en ligne. Oui. Et donc... Oui. Et même faire les démonstrations avec, en ligne, c'est pas évident. Donc, on perd un peu de temps pour écrire la solution, pour... Oui. Non, c'est... Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça le... Donc, à part ces problèmes, est-ce que les étudiants ont d'autres questions à soulever? Moi, je leur ai posé... Je leur pose toujours cette question. Normalement, chez moi, il n'y a pas de problème. C'est pas chez vous. Ou chez moi, c'est... Est-ce que... Voilà, s'il y a des questions... Allez-y. Voilà. C'est-à-dire, avant qu'on les... Donc, soit vous les déposez maintenant, soit vous les soumettez à votre délégué qui va... Qui est votre représentant. Voilà. Alors, on prend quelques minutes pour ne pas trop déranger le TV. C'est juste par rapport au module probant. D'accord. Si vous... Oui, uniquement proba, oui. Oui. Ah bon, il n'y a pas vraiment de problème. Le TD est super bien. Oui, c'est tout. Ouais. Très bien, donc si ça avance, c'est tant mieux. Donc, sinon, vous laissez mettre à Mme Bohachi ou bien à votre délégué, s'il y a d'autres questions. Oui. Voilà, je ne vous dérange pas plus. Je quitte. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc il est parti, on reprend. Alors, on était au niveau du premier exercice, donc on a trouvé une probabilité égale à ça. Est-ce que vous avez compris comment est-ce qu'on l'a calculé? Donc pourquoi on a mis ici 2 à la puissance n et non pas, je ne sais pas ce que vous avez proposé. Donc il faut toujours, pour calculer ce genre de probabilité, voir... le contexte, l'exercice, qu'est-ce qu'il demande. Donc, essayez de réfléchir sur le nombre total. Est-ce que c'est CMN, est-ce que c'est AMN, est-ce que c'est 2 à la puissance N, etc. Et donc, du moment qu'une partie, donc deux joueurs, ils sont en train de jouer des parties, chacun joue une partie, il se peut que dans certains cas, le joueur A joue la première et le joueur B joue la deuxième aussi. Le joueur B joue la première et la deuxième aussi. Ou bien le joueur A joue la première et B joue la deuxième, ou bien l'inverse. Comment est-ce que vous n'avez pas compris le concept de l'exercice? Regardez, vous avez une partie de jeu vidéo, et vous avez comme résultat soit la victoire d'un joueur, soit il perd. Donc quand il joue une partie, soit il gagne, soit il perd. Et on veut ça, on veut connaître, et on a deux joueurs aussi, et on veut connaître la probabilité que un joueur, donc A ou bien B, donc dans ce cas c'est A, gagne exactement M partie parmi N. Sacha Bernard. Oui. Quand on dit chaque partie c'est un par la victoire de l'un, on dit deux joueurs et la défaite de l'autre. Ça veut dire que les deux jouent en même temps. Non, juste pour dire que, si vous voulez, ça suit la loi de Bernoulli, donc on a soit échec ou bien succès. D'accord. Mais les deux parties entre elles, elles sont indépendantes. C'est pas parce qu'il est en train de jouer la première qu'il peut pas jouer la deuxième. Il joue contre... Non, c'est pas en même temps. Donc quand il joue, après il attend qu'il termine pour jouer une deuxième partie. D'accord. Voilà. Voilà, donc c'était ça la probabilité, donc on garde juste cette formule-là. On ne peut pas remplacer, on n'a pas des chiffres. Maintenant, le deuxième exercice, ils vous disent qu'à l'ouverture du cyberespace comportant un poste, il se présente n clients. Ils vous disent que le nombre n, il est supérieur à m. Donc si vous voulez, tous les clients ne peuvent pas trouver des postes disponibles au niveau du cyberespace. Ils se répartissent au hasard à occuper tous les postes. Calculez le nombre de possibilités d'occupation des postes. Donc ici, on ne demande pas une probabilité, mais un nombre d'occupations. Ça sera égal à quoi, à votre avis? Donc est-ce qu'on utilise les combinaisons? Est-ce qu'on utilise les arrangements? Les arrangements? Oui.
Parce que non, non. L'ordre, il est important. Donc, si un client s'assoit au poste A et l'autre s'assoit au poste B, ici, on a l'inverse, donc ça sera un autre ordre, si vous voulez. Donc, ici, l'ordre est important. On ne peut pas mettre la puissance parce qu'un client peut occuper un seul poste à la fois. Il ne peut pas occuper un autre poste en même temps. Et donc, ça sera A, M parmi N. Pour la première question. La deuxième, il nous demande de calculer la probabilité pour que deux clients donnés se trouvent sans poste. Ce sera égal à quoi? Donc, ça sera la probabilité que le client 1 ne trouve pas de poste et que le client 2 ne trouve pas de poste. Non, mais ici, on n'a que deux clients. Déjà, quelle est la probabilité pour qu'un client ne trouve pas de poste? Donc, s'il ne trouve pas de poste, veut dire que tous les postes, ils sont pris. Donc, c'est n moins m sur n. Ça, si c'était la question pour un client. Maintenant, deux clients. Ça veut dire que c'est la probabilité du premier client et la probabilité du deuxième client. Quand on a un « et », donc on a une multiplication. Et le deuxième client, ça sera combien? N moins 1 moins 1 maintenant. Du moment que le premier n'a pas trouvé. Oui. Sur N moins 1. N moins 1. C'est bon, on a enlevé un cas d'un client, donc pour le deuxième, ça sera n moins m moins 1 sur n moins 1. Si on avait 3, ça sera encore multiplication n moins m moins 2 sur n moins 2, etc. Donc tout dépend le nombre qu'il nous donne. Donc soit on peut laisser comme ça, soit on peut simplifier. Donc c'est égal à... Donc on peut... écrire comme ceci, donc n moins m fois n moins m moins m. De toute façon, je vous envoie le corrigé mieux écrit, parce que c'est pas évident d'écrire sur Paint. Voilà. Troisième question, ils nous disent quelle est la probabilité pour que K clients donnés trouvent des postes disponibles. Sachant que K est inférieur ou égal à M, M qui est le nombre de postes. Quel est le nombre? Déjà, quel est le nombre de clients qui ont trouvé des postes? Donc, on nous demande la probabilité que K clients trouvent des postes. Donc, c'est le nombre de K. Sur le nombre total. Le nombre de K, c'est CKM. C'est égal à combien? La probabilité? Est-ce que quelqu'un a une idée?
Pourquoi on utilise les combinaisons, on n'utilise pas les arrangements? Donc, trouver un poste disponible. Donc, n'importe lequel. Donc, que ce soit le premier, le deuxième ou bien le troisième. Donc, pas la peine de prendre en considération que le premier, c'est un cas et le deuxième, c'est un cas. Donc, la probabilité, c'est CK parmi N sur CK parmi N. Comment? M, référence à quoi? N, je pense, c'est le nombre de clients. C'est écrit dans l'exercice. Voilà, le nombre de clients, c'est N, et le nombre de postes, c'est M. Et N est supérieur à M, bien sûr. Il y a une plus forte demande, parce que si on avait un N qui était supérieur, on n'aurait pas de problème, si vous voulez. Donc, tous les clients pourront trouver des postes disponibles. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes pour un nombre donné de clients. Donc, au niveau de ce genre d'exercice, il faut comprendre le sens de l'exercice et imaginer les cas possibles. Donc, est-ce que l'ordre il est important? Est-ce que l'ordre n'est pas important? Donc, c'est comme par exemple pour les tirages, avec remise, sans remise, et c'est à partir de là qu'on peut déduire quel calcul utiliser, donc les combinaisons, les arrangements ou bien les puissances. Alors, c'est clair? Pour le troisième. La troisième question, c'était le calcul de la probabilité pour que K clients donnés trouvent des postes disponibles. La solution, c'était ça. Donc, toujours, la probabilité, c'est le nombre de cas possibles sur le nombre de cas total. K, c'est les clients. N, c'est le nombre total de clients. Et M, c'est le nombre total de postes. Trouver des postes disponibles, c'est CK parmi M sur CK parmi N. Trouver des postes, pas la peine de mettre l'arrangement. Si on met l'arrangement maintenant, donc l'objectif, c'est juste de trouver un poste disponible, quel que soit son ordre. Donc le premier poste ou bien le deuxième poste. Donc on va supposer que c'est la même chose. C'est pour ça qu'on prend pas en considération, par exemple, que le client trouve le poste A de disponible ou bien le poste B de disponible. Pour nous, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on n'a pas calculé la probabilité en utilisant A de K parmi M sur A de K parmi N. Vous voyez? Oui. Par contre, le nombre de possibilités d'occupation de poste, ici, on utilise les arrangements. Parce que occuper un poste, le premier poste, ce n'est pas la même chose que occuper le deuxième poste. Maintenant, le troisième exercice, on nous dit qu'un lot contient un article parmi lesquels M sont défectueux. On tire du lot A articles pour un contrôle de qualité. Quelle est la probabilité qu'il y ait exactement B défectueux? Donc faites attention au mot-clé B défectueux. Donc B défectueux veut dire qu'on aura A moins B non défectueux. Et donc ça sera la probabilité pour que B soit défectueux et pour que A moins B soit non défectueux. Et ça sera égal à combien? Je vais essayer de taper pour que ça soit plus clair, je pense. Donc si vous voulez, c'est... Donc P de B défectueux et A moins B non défectueux. Alors? C de B parmi M fois C de A moins B.
ennuie N-M sur C2A ennuie M. Ennuie M. Exactement. Donc C2B parmi M sur C2A parmi N plus C2, plus C2A A moins B sur N moins M. Donc, je vais essayer de l'écrire. Donc n-m, c'est le nombre total d'articles non défectueux. Sur le tout, donc le tout ce qu'on a tiré du lot, donc c'est A. Voilà. Maintenant, on nous dit que la norme de qualité recommande de rejeter le lot s'il y a plus de C défectueux. Donc on nous demande de calculer la probabilité de rejet du lot. Donc on va rejeter à partir de C défectueux. Si on a plus que C défectueux, on va rejeter. Et on demande de calculer la probabilité de rejet. Si vous voulez, c'est la probabilité pour que le nombre d'articles défectueux soit supérieur à C. Si vous voulez, c'est la probabilité de C plus 1, plus C plus 2, jusqu'à A. Et donc c'est égal à, quand vous avez toujours un des supérieurs ou bien un intervalle ou là, c'est toujours une somme de probabilités. Donc c'est la probabilité pour que le CM article soit défectueux, plus C plus 1, C plus 2, jusqu'à arriver à A. Et donc c'est, si on le convertit en mathématiques, ça donne quoi ? C de C parmi M sur C de A parmi M fois C de C plus 1 parmi M. Mais vous ne pouvez pas écrire que des multiplications à l'infini. C'est pas spécifié. Quand on a une probabilité, oui, par exemple, on avait comme ceci, P2 défectueux. Maintenant, on a une probabilité de ce style, D supérieur à C. C'est la probabilité de C plus 1, plus la probabilité de C plus 2, plus la probabilité de C plus 3, jusqu'à arriver à la probabilité de A, parce qu'on a tiré A article du lot. Et donc c'est égal à, donc c'est des sommes. Donc c'est égal à la somme de K allant de combien ? À partir de quand ? Je rejette à partir du B plus 1. C plus 1. C plus 1. Jusqu'à A. De quoi ? P de K. Toujours quand vous avez une probabilité de quelque chose supérieur ou bien inférieur ou bien on vous donne un intervalle, c'est toujours la somme de toutes les probabilités qu'il y a dans l'intervalle. Du moment qu'on a un intervalle, donc on a super, il faut délimiter après les bornes. Donc ça commence à partir de C plus 1, ça ne peut pas aller jusqu'à l'infini, ça va jusqu'à A, parce qu'on tire au maximum A article à partir, on tire un lot pardon de A article. Alors, pour l'exercice numéro 4, ils disent qu'au cours de tests de ces produits logiciels, une société de développement considère le problème suivant. La résolution d'un problème P à l'aide d'un logiciel ou un programme donné fait appel à une séquence de K sous-programmes. La probabilité pour que le premier sous-programme ne contienne pas d'erreur est P1. Elle est de P2 pour le second sous-programme, etc. Donc jusqu'à PK. Quelle est la probabilité pour que le logiciel ne contienne pas d'erreur ? Et on vous dit que, on suppose
les erreurs indépendantes. Donc la probabilité qu'il n'y ait pas d'erreur, c'est la multiplication des... Oui. Donc c'est... P de A sachant P bar. Donc la... P de I sachant. Pourquoi sachant? Pourquoi sachant? Oui. Donc P du... Donc la multiplication de quoi, vous avez dit? Donc on a les programmes, c'est P1, P2, P3. Donc c'est PI. Oui, donc P de I, ça change. Et bah, donc non défectueux. Là, il n'y a pas de erreur. Non. Sachant, c'est, on l'utilise pour une, si vous voulez, une probabilité qui est indépendante. Donc P défectueux, on n'a pas un autre événement, si vous voulez. Quand on disait P de A, sachant B, A et B, ce sont deux événements différents. On connaît la probabilité que A se produise sachant l'événement B. Ici, je ne vois pas pourquoi vous utilisez les probabilités conditionnelles. Et on ne nous a pas donné des chiffres, si vous voulez. On nous a dit que le premier sous-programme, la probabilité c'est P1, le deuxième c'est P2, le troisième c'est P3, etc. jusqu'à arriver à PK, K sous-programme. Oui. L'union, ça se traduit par... Une multiplication. Oui. Donc c'est la probabilité P1 fois P2 fois P3 fois jusqu'à PK. C'est ça la probabilité pour que notre logiciel ne comporte aucune erreur. Voilà. Donc ça, c'était les exercices qu'on n'a pas fait. On a fait l'exercice... Oui. Madame, l'union, c'est l'addition, non? Non. L'union, c'est la multiplication. L'union, c'est E, c'est la multiplication. Le E. Ah, ok. P de l'union, c'est la somme des P. Voilà, donc on a fait l'exercice sur le vaccin et le dépistage, etc. Maintenant, on va passer à la nouvelle série, donc, qui concerne les lois. Alors, en présentiel, on avait fait vaguement. Donc, on n'avait pas pu traiter toutes les questions parce qu'en cours, il n'avait pas évoqué la variance et l'espérance. On va essayer de revoir rapidement le premier exercice. Donc, on nous donne... une variable à valeur dans l'espace E, donc c'est 0, 1 et 2. De densité de probabilité, on nous donne les P0, P1 et P2 pour chaque valeur, donc 0, 1 et 2. Ils nous disent de vérifier que c'est une densité de probabilité. Vérifier une densité de probabilité revient à... Donc c'est quoi? Déjà, la fonction de densité, toujours quand... Voir si les probabilités sont égales à 1. Voilà. D'abord, donc il y a la fonction de densité. La fonction de densité, c'est juste la représentation des xi et des pi, donc les p de xi. Et c'est juste dessiner le tableau. Voilà, donc vous avez deux lignes. Donc, en premier, vous avez les xi, et en bas, vous avez les p2xi. Voilà. Donc, ici, vous avez les xi. Donc, le x0, c'est égal à 0, x1, c'est égal à 1, et x2, c'est égal à 2. Et les p2xi, donc, ou bien pi. Pi, c'est P de x égale à xi. Pour 0, c'est 1 quart. Pour 1, c'est 1 demi. Et pour 2, c'est aussi 1 quart.
Donc, quand on vous demande de donner la fonction de densité, c'est juste représenter ce tableau. Maintenant, former que ça forme une densité de probabilité, c'est démontrer que la somme des PI est égale à 0. Donc, dans notre cas, les PI, donc ça sera P, la somme de PI, I allant de 0 jusqu'à 2. Donc, ça sera P0 plus P1 plus B2. Et c'est égal à 1 quart plus 1 demi plus 1 quart, et c'est égal à 1. Et donc, quand on trouve une somme égale à 1 des PI, on déduit que ça forme une densité de probabilité. Et dans notre cas, ça sera 1 quart plus 1 demi plus 1 quart égale à 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi au niveau de l'exercice? Voilà, il nous demande l'expression de la fonction de répartition. La fonction de répartition, ou bien ce qu'on appelle aussi la fonction des probabilités cumulées. Donc, c'est en général la somme des PI à chaque instant. Et donc, du moment que c'est égal à ça, c'est une fonction qui est toujours, comment? Croissante. Voilà. Donc, c'est f de x. Et c'est égal à différentes valeurs suivant les valeurs de x. Donc, et même les valeurs ici, elles sont croissantes. Donc, elle est égale à 0. Dans quel cas? Dans le cas, oui, où x est inférieur à 0. Elle est égale à, ensuite, quand x est égal à 1, à 0, pardon, elle est égale à 1 quart. Dans quel cas? X égale à 0. X entre 0 et 1. Voilà. Donc là, c'est inférieur. Et là, c'est inférieur ou égal. Voilà. La prochaine valeur, ça sera combien? 3 quarts. 3 quarts. Donc, c'est toujours des probabilités cumulées. Donc, on additionne à chaque fois. Donc, la deuxième probabilité, c'est 1 demi, et c'est 1 demi plus ce qu'il y a avant. Donc 1 demi plus 1 quart plus 0, c'est égal à 3 quarts. Dans quel cas? Quand x, il est entre 1 et 2. Oui. Donc, et elle sera égale à combien cette fois-ci? 1, la somme, quand x il est supérieur ou égal à 2. Voilà, ça c'est la fonction de répartition. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi? De représenter les graphes de ces fonctions. Donc le graphe de la fonction de densité, c'est un graphe en battant. Donc on a en bas les x et on a en haut les p. Donc c'est comme ça. Donc ici on a les pi et ici on a les xi. Donc on a zéro, 1 et 2. Et les probabilités, on a des probabilités égales à 1 quart et à 1 demi. Donc si c'est ça, ça c'est égal à 1 demi, donc ça c'est égal à 1 quart. Voilà, et donc on aura un diagramme en bâton. Pour x égale à 0, donc on aura 1 quart.
Pour x égale à 1, on aura 1/2. Et pour x égale à 2, on aura 1/4. Donc voilà le diagramme de la fonction de densité. C'est bon? Oui. Maintenant, le diagramme de la fonction de répartition. Qu'est-ce qu'on a dans les différents axes? Donc, en haut, on a quoi? Donc, du moment que c'est une fonction f de x. Donc, en bas, on a les x et en haut, on a les f de x. La fonction de répartition. Oui. Donc, on a combien de x? On a 0, 1 et 2. Et les différentes probabilités qu'on a trouvées, donc les différentes valeurs de f de x, on a le 0, le 1/4, le 3/4 et le 1. Oui. Voilà. Donc, si on a... Donc ça c'est égal à 1, ça c'est égal à 1/2, 3/4 et 1/4. Voilà. Alors, on a dit que quand x il est inférieur à 0, f de x il est égal à 0. Donc on aura ça. Dans le cas où x est inférieur à 0. Maintenant, quand x il est entre 0 et 1, c'est égal à 1/4. Puis quand x est entre 1 et 2, c'est égal à 3/4. Et ça sera égal à 1. Quand x est supérieur ou égal à 2. Ici, on a des pointillés. Donc, la fonction, elle est discontinue au niveau de 2 et de 1, ainsi que de 0. Donc, cette fonction, toujours, elle est croissante. Donc, vous avez, dans l'axe qui est en bas, vous avez les x, en haut, vous avez les f de x. Maintenant, on nous demande de calculer la moyenne et la variance, donc EX et VX. Alors, l'espérance, c'est égal à combien? C'est quoi aussi l'espérance? Si vous voulez, c'est quoi la définition? C'est une moyenne arithmétique des différentes valeurs de x qui sont pondérées par leur probabilité. Donc on a à peu près la moyenne. Et c'est la formule, c'est la somme des xi fois pi. Dans notre cas, ça sera 0 fois 1/4. Plus 1/2 plus 2 fois 1/4. Plus 2 fois. Ça donne combien? 1. Et la variance, qui dépend de l'espérance, c'est l'espérance de quoi? De x au carré moins de x au carré. Voilà. Du moment qu'on a calculé l'espérance de x, il nous reste juste à calculer l'espérance de x carré. Ça, c'est égal à, toujours ici, 0 au carré fois 1/4, 1 au carré, on va recopier cette formule. Et ça, ça donne combien? Donc ça, c'est 0, 1/2 plus
1. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Et donc Vx, Ex, on a trouvé 1. 1 à la puissance 2, ça donne 1. Et c'est égal à combien? Combien? 1 demi. C'est clair? Oui. Oui. Donc ça, c'était le premier exercice, une fonction qui était assez simple. Maintenant, on va voir les lois que vous avez vues au niveau du cours concernant les variables discrètes. Donc vous avez vu la loi de Bernoulli, vous avez vu la loi binomiale, la loi de Poisson et la loi géométrique. Donc est-ce que vous avez vu ces quatre lois? Oui. D'accord, donc on va commencer loi par loi et on va donner les expressions, on va donner les expressions de PI, on va démontrer quelle forme des densités de probabilité, on va écrire l'expression de f de x, représentation des graphes et calcul de ex et vx. Donc Bernoulli, elle n'est pas demandée, mais on va la faire quand même. Alors Bernoulli, c'est quoi? Bien, c'est, elle est notée comme ceci. Une loi de Bernoulli avec le paramètre P. On l'appelle aussi la loi 0,1. Donc c'est une loi où on n'a que deux cas possibles. Donc soit par exemple succès, soit échec, on ne peut pas avoir un autre cas possible. Donc si la loi du succès elle est égale à P, la loi de l'échec, ça sera 1 moins P. Et donc, comment on peut formuler cette fonction PI? Donc on n'a que deux cas possibles. Donc c'est égal à soit 1 moins P, soit P. Donc elle est égale à 1 moins P si I égale à 0. Et elle est égale à quoi? Parfait. Donc c'est ça l'expression de cette loi. C'est la plus simple. Donc aussi aide les lois. Donc on va aller voir les autres. Il faudra à vous, ce sera à vous de déterminer quelle loi utiliser pour calculer une probabilité donnée. Donc que ça soit donc quand vous avez un exercice où vous avez que deux cas possibles, donc c'est évident que vous utilisez par exemple cette loi. Donc ça c'est PI. Bon, ça dépend de l'exercice. Toujours oui. Vous allez voir par exemple dans l'exercice 6 qu'on va opter pour une loi donnée et je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que le contexte de l'exercice nous force à utiliser cette loi. Maintenant, démontrer que c'est une densité de probabilité, donc c'est la somme des PI égale à 1. Dans notre cas, ça sera, c'est égal à combien? On a P plus 1 moins P. Et ça, ça donne 1. Donc ça forme une densité de probabilité. Maintenant, la fonction de densité. C'est égal à quoi? Qu'est-ce que j'ai dit avant? Comment est-ce qu'on modélise la fonction de densité? C'est le tableau. Oui, c'est le tableau où il y en a deux lignes pour les xi et les pi. Et on n'a que deux cas possibles. Donc ce que je suis en train de faire, c'est la fonction de densité. Donc ici, on a les xi. On a 0 ou bien 1. Et les PI, pour 0, ça sera 1 moins P. Et pour 1, ça sera P. Donc ça, c'est la fonction de densité. Maintenant, la fonction de répartition, elle est égale à quoi?
Les gars, là. Un nombre fixe inférieur ou égal à 0. Et avant ça, on a quel cas? On a le cas où f de x égale à 0. 0 si x est plus petit que 0. 0 dans le cas où x est strictement inférieur à 0. C'est égal à 1 moins p dans le cas où. Entre 0 et 1, et c'est égal à 1. Donc c'est p plus 1 moins p. Pour les graphes, c'est simple aussi. Pour ici, c'est diagramme en battant. Et ici, c'est une fonction croissante. Donc vous avez 0, après vous avez 1 moins p, après vous avez 1 quand x est supérieur ou égal à 1. Maintenant, le calcul de l'espérance. Ex pour la loi de Bernoulli. C'est égal à combien? Donc c'est 0 fois. Non, 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 plus p. C'est égal à p. Voilà, et c'est égal à p comme vous dites. Donc, si vous voulez, toutes les expressions qu'on va trouver pour l'espérance et pour les variances, pour les lois Poisson, Bernoulli, binomial et géométrique, à l'examen, par exemple, vous n'avez pas à les démontrer. Vous pouvez directement les utiliser. Vous aurez au niveau de l'exercice la valeur de P et vous pourrez calculer l'espérance et la variance. D'accord. Voilà. Donc, je pense aussi que c'est quelque chose qu'il vous donne comme autorisé à l'examen. Un document qu'il vous donne comme autorisé à l'examen. Oui, Et VX est égal à combien? Donc c'est ça au carré. C'est toujours égal à P moins. Moins P au carré. EX, le tout à la puissance au carré, à la puissance 2, donc c'est P au carré. Et c'est égal à P moins P au carré. Ou bien c'est voilà, donc si on vous demande de calculer la variance, vous remplacez directement ici en connaissant bien sûr le p. Donc voilà pour la loi de Bernoulli. Maintenant on passe à la loi binomiale. Donc c'est quoi la définition de la loi binomiale? Il faut connaître les définitions pour pouvoir savoir comment les utiliser à l'examen. C'est quand on a deux cas et que ça répète une fois. Voilà, donc c'est le prolongement de la loi de Bernoulli et une fois. Donc si on vous dit que on répète une expérience une fois direct et vous savez que l'issue au niveau d'une seule expérience c'est soit égal à 0 ou bien égal à 1, donc vous n'avez que deux choix possibles, là automatiquement vous allez opter pour l'utilisation de la loi binomiale. Donc elle a deux paramètres, donc elle a le paramètre n, donc le nombre d'expériences, et bien évidemment la probabilité. Et c'est quoi, elle est égale à combien? Vous l'avez normalement vu en cours. Non, c'est ci parmi n fois p à la puissance i fois n moins p à la puissance n moins i. Voilà, donc c'est c de i parmi n. Sinon je continue. La formule générale, c'est p à la puissance i fois q à la puissance n moins i. Comme q c'est 1 moins p, donc on peut écrire directement ici 1 moins sans rappeler que CIN, c'est n factoriel sur i factoriel fois n moins i factoriel. Maintenant, prouvons que la loi binomiale forme une densité de probabilité.
Donc, ça sera le calcul de la somme des pi pour i allant de 0 jusqu'à n. Donc ça, ça donne combien? Donc, l'idée, c'est de trouver un 1 pour cette somme-là. Démontrer que la somme, que cette somme-là, elle est égale à 1. Pour prouver que ça forme une loi de probabilité. Donc, comment est-ce qu'on peut déduire que c'est égal à 1? Ça ressemble à quoi? On l'a vu en présentiel. C'est le binôme de Newton. Voilà, c'est le binôme de Newton. Donc, le binôme de Newton, il dit que A plus B, le tout à la puissance N, c'est la somme des I allant de 1 jusqu'à N, des CI parmi N, fois A à la puissance I, fois B à la puissance N moins I. Donc, dans notre cas, le A, c'est le P, et le B, c'est le 1 moins P. Et donc, ça sera égal à... A plus 1. Oui. Donc le A, c'est P, plus 1 moins P à la puissance N. Et ça, ça va donner 1 à la puissance N, et c'est égal à 1. Voilà, donc en utilisant le binôme de Newton, on a pu déduire que cette somme-là, elle est égale à 1, et donc ça forme bien, bel et bien une densité de probabilité. Maintenant, l'expression de la fonction de répartition, f de x. Ou bien fonction des probabilités cumulées. Du moment que, quand je vous dis qu'à chaque étape, on est en train de calculer ce qu'on a plus ce qu'on a avant, donc c'est une somme progressive. Donc c'est... La somme, elle va démarrer de... De 0 jusqu'à... Non. Jusqu'à n. Non. Jusqu'à... Jusqu'à x. De la formule, bien sûr. Je ne sais pas si je l'ai toujours. Voilà, ça. Pourquoi x? Donc, la fonction de répartition, donc, elle a des valeurs à chaque intervalle qui m'a envoyé avant. Donc, 0, donc, quand x, par exemple, est inférieur à 0, bah, là, c'est 1 sur 2 quand le x est entre 1 et 2. Bah, c'est 1 sur 2 plus 1 quart. Et si on avait d'autres valeurs, ça sera 1 sur 2 plus 1 quart plus 1 quart, etc. Donc, c'est une somme progressive. Et du moment qu'on n'a pas les valeurs, en termes généraux, elle est égale à ça. Pour x égale à 2, ça sera, donc ça sera la somme de i égale à 0 jusqu'à 2. Donc pour i égale à 0, plus pour i égale à 1, plus pour i égale à 2. Pour x égale à 3, ça sera ce qu'on avait avant. Donc x égale à 2 plus i égale à 3. On ne peut pas l'écrire sous cette forme-là, si vous voulez. Parce qu'on n'a pas un x de défini. On n'a pas un P, on n'a pas un N, etc. Donc si on avait des paramètres ici connus, on aurait pu avoir des valeurs ici. D'accord. Voilà. De manière générale, elle est égale à ça. L'espérance maintenant. Ici aussi, on aura des formules abstraites et on devra trouver l'espérance pardon, en fonction de N, en fonction de P, etc. Donc si on suit la définition, c'est la somme de i allant de 0 jusqu'à 1 de pi fois i. Donc c'est la somme jusqu'à n de i fois pi qui est égal à ça. On ne peut pas la laisser telle qu'elle. Est-ce qu'on peut faire en sorte que
elle soit plus simple à... elle soit plus simple. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, on va obtenir une espérance égale à... en fonction de N et de P. Et donc, quand, si vous avez un exercice où on vous demande de calculer l'espérance, vous allez directement utiliser le résultat qu'on va obtenir ici. Donc, est-ce que vous connaissez déjà la valeur finale de l'espérance pour la loi binomiale ? Non. Non ? Vous ne l'avez pas vu en cours ? Il vous a sûrement dit que l'espérance, elle est égale à N fois P. Mais comment est-ce qu'on est arrivé de là jusqu'à N fois P ? Donc ici, ça sera une démonstration mathématique. Donc, on peut la faire. Est-ce que vous voulez qu'on la fasse ? Elle est un peu longue. Oui. Oui. Bon, si vous voulez, vous ne serez pas... On ne vous la demande pas, je pense, à l'examen. On vous demandera juste de calculer l'espérance. Donc, on ne vous dit pas aussi, au niveau de l'exercice, par exemple, de calculer comme ça, calculer l'espérance. On vous donne une question de telle sorte à ce que vous allez calculer l'espérance. Et comme j'ai dit, l'espérance, c'est la moyenne arithmétique. Donc, si vous avez... au niveau de l'exercice, un calcul où on demande ça, par exemple la moyenne de quelque chose, vous allez directement déduire qu'il faut calculer l'espérance et vous faites vous directement n fois p. N et p sont les paramètres de la loi binomiale. Maintenant, pour démontrer que cette somme elle est égale à n fois p, donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je vous ai donné le résultat. Donc, à votre avis, donc, on va sûrement exploiter le binôme de Newton. Il y a le i qui nous dérange. Donc, si vous voulez, on va essayer de calculer ça, à part, d'abord. Donc ça, c'est égal à combien ? Le i, le c, c'est égal à combien ? N puissance voilà. Sur i. N factorielle sur n. Je préfère taper parce que ça devient incompréhensible. Donc en bas, on a... i factoriel. I factoriel. I factoriel. N moins. Voilà. Et ça, c'est égal à quoi aussi ? Si on veut se débarrasser un peu du i qui nous dérange ici. Si on essaye de le faire descendre en bas. Donc toujours n factoriel sur quoi ? Donc si on fait descendre le i en bas, on va obtenir i moins 1 factoriel. Vous arrivez à m'entendre ? Vous arrivez à voir ? Oui, il y a eu une, la connexion s'est coupée. Donc on était là. Il n'y a pas de porte. Ah bon ? C'est bon. Et comme ceci ? Voilà. Donc je vous ai dit que on allait un peu travailler sur i fois ci parmi n. Et j'ai dit aussi qu'on essaie de se débarrasser de ce i. On écrit n factoriel sur... Donc quand on fait descendre le i en bas, ça va nous donner i moins 1 factoriel fois n moins i. Tannic, on veut, si vous voulez, donc il y a l'apparition de i moins 1, de n moins i. On veut faire en sorte qu'on obtienne un c. Donc c'est... ci parmi n, ou bien ci moins 1, cn moins 1, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, il faut écrire n en n moins 1. Si on écrit n en n moins 1, ça va donner combien ? Voilà, on fait sortir le n. N sur n moins 1. Donc, ça sera n moins 1 ici, factoriel. N moins 1 factoriel fois n, c'est n factoriel. Sur i moins 1 factoriel, fois n moins i moins 1 factoriel. C'est
16 ans. Donc, on a l'apparition du N-1. On a ici le I-1. Donc, pour avoir un CI-1 sur N-I sur N-I, comment est-ce qu'on va écrire le N-I factoriel? C'est N-1 moins I-1, oui. Voilà. Et ça, c'est égal à quoi? Donc, c'est N fois est-ce que vous m'entendez? Donc ça, cette expression elle est égale à quoi? Allez-y, je vous aide. Donc c'est C N moins 1 I moins 1 I moins 1, c'est I moins 1 voilà. Donc, on a obtenu cette expression, elle est égale à ça. On peut la remplacer maintenant au niveau de la somme. Et du moment qu'on a maintenant un N, le N, il est plus variable. Et donc, déjà, il peut sortir de la somme. Vous avez compris? Oui. Oui. On reprend la somme. Jusque maintenant, on ne va pas écrire I fois CI parmi N, mais on va plutôt écrire ce qu'on a obtenu. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Attendez. Voilà. Et cette somme, elle est égale à quoi? Donc, c'est égal à... Déjà, on s'est débarrassé du N. Le N, maintenant, il peut sortir de la somme. N pour la somme de... Voilà, on a maintenant un C fois un P fois un moins P. Maintenant, l'idée, c'est de la manier un peu pour qu'on puisse utiliser le binôme de Newton. Donc déjà, ici, on a le N. Et comme je vous ai dit que l'espérance, elle est égale à N moins P. N fois P, pardon. Donc déjà, c'est N fois. Donc si vous voulez, cette somme, elle est égale à P. Alors, c'est égal à... Voilà, les mh de la somme. Ici, c'est on doit exploiter le binôme de Newton. D'accord. Donc on a... Pour le binôme de Newton, c'est... CI parmi N fois A à la puissance I fois B à la puissance N moins I. Donc ici on a un I moins 1, donc les mhnaïs, le P égale P à la puissance I moins 1. Et ici ça sera N moins 1 moins I. Et donc à votre avis on fait quoi? Ou là, on peut aussi opter pour un changement de variable. Donc, si on fait sortir un P, on aura quoi? On aura P moins P à la puissance I moins 1. Donc, oui. L'idée aussi, c'est de faire ça. P fois une somme. Donc, maintenant, ça sera égal à combien? Donc le C, c'est toujours le même. On va la reprendre. Donc, P à la puissance I moins 1. Et donc, N moins 1 moins I moins 1, c'est N moins 1. Ici, il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'est égal à combien? 1. Voilà, N fois P fois, en réalité, c'est P plus 1 moins P. 1. À la puissance combien? N moins 1. Voilà. Et ça, c'est égal à N moins 1 fois P. Voilà, donc retenez que
l'espérance mathématique pour la loi binomiale, c'est directement n fois p. Vous n'avez pas à faire la démonstration. Donc, il vous donne un certain n, le nombre d'expériences, et on vous donne la probabilité, donc de succès, d'échec, etc. Et du moment que vous avez que deux cas possibles, vous pouvez directement calculer l'espérance en faisant n fois p directement. Maintenant, la variance. C'est clair, cette démonstration? Oui. Voilà. Maintenant, Vx. Comment est-ce qu'on la calcule? Donc, on connaît la loi. Donc, c'est E à E x carré moins E à x tout le tout à la puissance 2. Et donc, là, on avait la somme I fois CI parmi N. Maintenant, on aura un I au carré fois ici, par exemple. D'ailleurs, on doit d'abord calculer E x carré. Donc, on aura ici I à la puissance 2. Kif kif, on va essayer de manier le I carré fois CI parmi N. Donc on a après moins EX le tout à la puissance 2. Hadak, il est facile à calculer parce qu'on a calculé EX. Donc ça sera N au carré fois P au carré. Je vais écrire la formule pour que vous voyez. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est que ça, c'est facile à calculer du moment qu'on a calculé Ex. Donc, c'est n au carré fois p au carré. Ce qui nous dérange un peu, c'est ce calcul-là. Donc, on va calculer Ex carré. C'est égal à quoi? Vous m'écoutez? Oui. Donc, c'est égal à quoi? Oui. I carré. C'est i carré ici. Le x, ça prend la valeur 1 ou 0, non? Oui. Donc c'est le même. Qui dit que c'est le même? Le x. Non, mais on n'a pas des valeurs. Ici, si. Là, on est en train d'utiliser la formule. Donc pi, c'est i. C'est CI parmi N fois PI fois 1 moins P à la puissance N moins 1. N moins I, pardon. Et l'espérance, c'est la somme des PI fois XI. Dans notre cas, quand c'est X, ça veut dire c'est I. I fois PI. Ça, c'est PI. Maintenant, c'est X carré. Maintenant, c'est X carré fois PI. Donc, c'est I au carré ici. Le X, ça, là, c'est... Au lieu que ce soit X, c'est X carré. Et donc, kif kif, on essaye de manier un peu la formule pour utiliser le binôme de Newton, parce que ça ressemble au binôme de Newton. On va un peu manier ça, d'abord. Ça, c'est égal à quoi? Si on suit le résultat qu'on a obtenu avant. C'est i. Donc, c'est, déjà, c'est i fois n. Mais bon, on peut laisser comme ceci. Donc, je ne sais plus combien on a trouvé. C'est donc i fois c i parmi n, c'est égal à ça. Et i au carré, ça sera juste i fois ce qu'on a obtenu ici. Ok? Oui. Maintenant, on va remplacer au niveau de l'expression ici.
Voilà. Donc au lieu d'écrire i carré fois ci par mi n, on va remplacer par ça. Bon, kif kif, le n il sort de la somme, il ne dépend pas de la somme. Et comment on fait maintenant? Kif kif. Donc on a aussi un i moins 1. Donc on peut faire sortir le p de la somme et écrire p à la puissance i moins 1. Maintenant, on va remplacer la combinaison avec l'expression en utilisant les factoriels. Parce qu'il y a ce i qui dérange. Donc ci moins 1 parmi n moins 1, c'est égal à quoi? Donc si on suit la formule. Donc n moins 1 factoriel sur moins 1 factoriel. I moins 1 factoriel fois n moins i. Donc n moins 1 moins i moins 1, c'est n moins i. Kif kif, on essaye de faire descendre le i. À votre avis, comment est-ce qu'on peut faire? Bon, i moins 1 plus 1, et on partage les deux. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut écrire? Qui va-t-il? N fois n plus 1 fois p. La variance en réalité à la fin, gars, c'est n fois p fois 1 moins p le tout au carré. Si vous voulez, tout ça, c'est égal à 1 moins p au carré. Mais comment est-ce que on bascule le... On cherche le point de Newton. Comment? On cherche le... Oui, toujours. Il doit y avoir bien de Newton à... qui va nous aider. C'est lui qui va nous enlever de la somme. Juste, il faut faire attention aux paramètres de P, aux paramètres de 1 moins P. Et ici, le C, qui met binôme de Newton, c'est... attendez. Il faut faire en sorte qu'il m'en revient là. Donc, quand on avait un P à la puissance I qui dérangeait, on avait ici un C I moins 1. Il fallait écrire P à la puissance I moins 1. Et on a fait sortir le P. Même chose dans ce cas-là. Donc, cette formule-là, on va essayer de la réécrire un peu. Donc ça, je parle de ça. Donc i fois n moins 1 factoriel sur i moins 1 factoriel fois n moins i factoriel, en réalité, c'est égal à n moins 1 factoriel. Donc on peut écrire par exemple le i. Je vais vous donner un indice. On va écrire, au lieu d'écrire i, on va écrire comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez déduire de cette formule? Bien sûr, a fois n moins 1 factoriel sur i moins 1 factoriel fois n moins i factoriel. Alors,
moins 1 factoriel sur... Voilà, c'est égal à n moins 1 factoriel fois i moins 1. I moins 1 fois i moins 1. Plus n moins 1 factoriel. Si vous voulez, maintenant, on peut écrire deux sommes. Donc, je sais que c'est un peu compliqué à suivre, mais... Donc ça, on va encore répéter les mêmes ici. Voilà. Donc, on va changer juste ce qu'il y a en haut. Ici, c'est égal à combien ? N moins 1 factoriel, comme vous avez dit, c'est égal à combien ? Plus... Fois combien? Allez, c'est facile, j'ai juste multiplié. Fois i moins 1. Plus. Et donc, du moment qu'on a mis un plus, donc on peut écrire n moins 1 factoriel sur tout ce qui est en bas, plus n moins 1 factoriel fois i moins 1 sur tout ce qui est en bas. Et si vous voulez, on peut avoir maintenant deux sommes. Vous arrivez à suivre? Oui. Donc c'est NP fois la première somme. On va séparer les sommes. Et on va traiter chaque somme à part. Donc la première somme, chérie Kounfera, ça. C'est clair? Plus. Donc ici, on a des parenthèses. Hein. N fois P. Fois la somme des deux. Plus. Plus quoi? Je suis en train de passer de là à là. Donc c'est n fois p fois la somme n moins 1 factoriel sur ça fois p, etc. Plus. Plus n moins 1 factoriel, i moins 1 factoriel fois. Sur n moins 1 factoriel, plus n moins 1 factoriel, fois. Plus la deuxième somme sur. Voilà. Donc au lieu d'avoir en haut n moins 1 factoriel, on aura. N moins 1 fois n moins 1. Alors, on a ça maintenant. Il ne faut pas oublier la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi faire? On va simplifier factoriel. Donc, première somme déjà, est-ce qu'on peut la simplifier? La première. Elle est égale à quoi? La première, on peut la simplifier. Elle est égale à P. Donc ici, on a... Attendez. La première. Là, on a directement le binôme de Newton. Bon, P. Pourquoi P? Le 1. Voilà, NP. Donc, mais quelle heure on écrit 1 ici? Donc, ça sera directement NP plus NP fois la deuxième somme. Et maintenant, ici, il faut aussi arranger un peu. Donc, on sort encore une fois NP. Oh, c'est vraiment pas évident avec sans tableau.
Voilà. Maintenant, faites la somme. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se rend P pour revoir. Enfin, on simplifie les oui. I moins 1, I moins 1 carré. On se rend P pour avoir le même indice. Et ça sera égal à combien? Attendez, je vais la réécrire. Alors? NP plus NP carré. NP plus NP carré... quel résultat? Le tout. Oui. Ah, vous avez déjà sorti un P. Donc ici, vous aurez P au carré. Et là, qu'est-ce qui change? L'indice va être I moins 2. Oui. Et on simplifie aussi le passage qui va être N moins 1 facteur sur I moins 2 factoriel. Pourquoi I moins 2? Ah, vous enlevez ça? Oui. Oui. Et ici? On doit faire sortir un moins P du coup. Là, on doit multiplier par un moins P. Je pense qu'il faut sortir un N moins 1. Il faut que la somme... Il faut que la somme, elle soit jusqu'à N moins 1, ici. Pas jusqu'à N. D'accord. Donc, non, normalement, ça sera égal... Attendez. Hein. Ça sera égal à NP plus NP carré normalement fois N moins 1. Normalement, c'est ça. Et si on simplifie cette formule, ça va nous donner normalement, donc si on prend NP en facteur, donc on aura 1 moins P 1 plus, non N plus, pardon. P fois N moins 1. Non, on a pris N en... Plus NP moins... On a pris N moins P. 1 plus P fois NP moins 1. Comme ça. NP. Et c'est égal à combien? Donc NP, fois 1 plus NP moins P. Attendez, on va la faire en détail parce que... Donc NP moins P. Oui. Voilà, donc on la laisse telle qu'elle. Donc l'espérance, elle est égale à ça. Donc, on peut par exemple la laisser comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça, c'est pas important. L'essentiel après, en calculant l'espérance, vous remplacez par les NP. Donc, on a directement la formule. Oui, oui. On n'est pas obligé de tout calculer, etc. Non, vous n'êtes pas obligé de faire les... Je vous ai dit qu'il vous donne comme document autorisé, un tableau pour toutes les lois avec toutes les fonctions de densité, de répartition, d'espérance et de variance. Vous avez juste à remplacer et bien remplacer. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est de trouver la loi correspondante à l'exercice. Bon, on a trouvé le E, maintenant, V.
c'est égal à combien? Donc, donc c'est EX carré. Attendez, qu'est-ce qu'on a calculé? C'est X carré, donc c'est, on l'a trouvé. On a calculé E de X carré. Moins N carré, P carré. Oui. Si on simplifie tout ça, ça va nous donner combien? Si on prend NP en facteur, voilà, on prend NP en facteur, ça va nous donner ça. Allez, on va y aller un peu doucement. Moins NP. C'est ça. Et c'est égal à combien? Donc, NP moins NP, déjà, ça part. Attendez. Voilà, NP fois, donc, شحال NP fois 1 moins NP. Voilà, normalement c'est ça, la variance. Après, il faut juste remplacer. Attendez, mais oui, normalement c'est ça. Je suis juste, est-ce que vous pouvez vérifier avec moi si c'est correct? De quoi ça? Oui, le tout, ces deux dernières phrases. J'espère qu'on ne s'est pas trompé ici. En essayant de simplifier np plus np carré fois n moins 1. Attendez, je vais essayer dans le cas où je laisse tel quel. NP plus NP carré. Et maintenant, ça donne NP fois 1 moins 2. Attendez. Plus NP moins NP et 1 moins 2. C'est ça, si je simplifie pas. Et si je prends dans ce cas-là NP en facteur, j'aurai 1 plus P. Fois 1 moins 1. Et voilà. Et ça. Donc ce qu'il y a dans les parenthèses. Sinon on va aller faire plus, en détail. Plus P fois 1 moins 1. Plus P. Moins np. Voilà, donc normalement c'est ça, oui. Alors, plus np moins np, donc ça reste 1 plus p. Oui. Voilà, donc la variance elle est égale à n fois p fois 1 plus p. Si vous avez le p et le n, vous calculez directement. Donc avec les démonstrations, vous n'avez pas à les faire. Et il vous les donne normalement. C'est 1 moins p, c'est pas 1 plus p. Comment? Oui. Voilà pour la loi binomiale. Maintenant, la loi de Poisson. Alors, la loi de Poisson, elle a deux paramètres. Quels sont les deux paramètres qu'elle a? Donc, elle a le p et le lambda. Donc on peut la représenter ainsi, donc lambda.
Donc lambda, normalement, c'est vous l'écrivez comme ça. Alors, PI, il est égal à combien? Donc, lambda aussi, c'est un paramètre positif. Alors, on dit qu'on utilise la loi de Poisson pour tout ce qui est expérience rare. Et aussi, on va voir que, par exemple, si on revient vers la loi binomiale, ici. Si on a un N qui est très grand, qu'est-ce qu'on peut déduire comme problème? Donc ici, si on a un n qui est très grand, veut dire qu'on aura à calculer des factoriels qui sont très grandes. Et donc, ça prendra beaucoup trop de temps. Non seulement trop de temps, et parfois même au niveau de la calculatrice, on ne pourra pas saisir un très grand chiffre factoriel. On peut rencontrer ce problème. C'est pour ça qu'on dit aussi que la loi de Poisson, quand on est dans le cas de calcul de probabilité pour un x grand, donc on dit que la loi de binomiale, elle tend vers la loi de Poisson. Et donc calculer en utilisant la loi binomiale, ce sera la même chose que utiliser la loi de Poisson. Et la loi de Poisson, c'est, elle est égale à combien? Pi égale à? Égale à? Lambda I x. Lambda I sur I factoriel fois exponentielle. Voilà. Sachant que lambda est supérieur à 0. C'est le paramètre de la loi de Poisson. Alors, pour montrer que c'est une densité de probabilité, kiff, il faut calculer la somme des PI égale à 1. Donc, somme de ça. C'est égal à quoi? Donc, du moment que l'exponentielle moins lambda, il ne dépend pas de la somme, il n'y a pas un i variant, donc il peut sortir de la somme. Donc, ça sera exponentielle moins lambda fois la somme de lambda à la puissance i fois i factoriel. Ça, c'est égal à quoi? Oui, il y a certains qui sont absents. Qui étaient absents, pardon. Donc, ça, c'est en réalité le développement limité de la fonction exponentielle. Et donc, cette somme-là, on peut l'écrire. Voilà, donc ça sera. Attendez. Donc, exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda. Et c'est égal à. Exposant 1. Et donc, la loi de Poisson, elle forme une densité de probabilité. Maintenant, quelle est la fonction de répartition? Toujours. C'est égal à combien? Donc, la fonction des probabilités cumulées. Donc, c'est la somme des PI pour I allant de 0 jusqu'à X, qui met pour le cas de la binomiale. Donc, on ne peut pas l'écrire sous cette forme-là, parce que lambda, il est inconnu, le X, il est inconnu, etc. Donc, on ne peut pas calculer pour chaque x entre quelque chose et quelque chose, etc. Vous voyez, donc c'est pas comme le cas de la loi de Bernoulli parce que il n'y a que deux cas possibles. Donc ça sera égal à la somme de lambda. Ça c'est la fonction de répartition. Maintenant, on va calculer l'espérance mathématique, EX. Donc EX, c'est la somme des I fois PI. Donc ça sera comme ceci, I fois lambda à la puissance I fois I factoriel fois exponentielle moins lambda. C'est égal à combien? Est-ce que vous avez une idée sur ce calcul-là? Déjà, le i avec le i factoriel, donc on peut avoir en bas combien? Voilà, donc déjà, on
peut avoir ici un i moins 1. On aura un lambda. Bon, déjà, aussi ça, ça sort de la somme. On saura un lambda pour prendre sur le développement limité. Voilà, donc ça sera lambda exponentielle moins lambda, fois exponentielle lambda. Et donc ça sera égal à lambda. Lambda. Toujours, l'espérance mathématique, elle est égale à lambda. Et lambda, c'est aussi, on l'appelle aussi moyenne de la loi de Poisson. Et l'espérance mathématique, c'est aussi le calcul d'une moyenne arithmétique. Et donc, si on vous demande de calculer EX pour une loi de Poisson, et si vous avez un lambda de défini au niveau de l'exercice, donc ça sera directement égal à ce paramètre-là. Claire ? Oui. Maintenant, VX. Donc, c'est espérance X carré fois espérance de X, le tout au carré. Donc, quelque chose moins lambda au carré. Comme ceci. Ce qui est un peu compliqué à calculer, c'est l'espérance de X au carré. Donc ici, on aura directement lambda au carré. Voilà. À votre avis, comment est-ce qu'on va calculer EX carré? Si on remplace, si on calcule E de X carré, on va tomber sur une formule qui est difficile à, si on veut simplifier. On peut utiliser la propriété de l'espérance. Est-ce que vous l'avez vu en cours? Je vais vous la donner comme piste, si vous voulez. Donc, on a, par exemple, espérance de A plus B, c'est égal à combien? C'est égal à combien? Voilà. Donc d'après cette formule-là, qu'est-ce qu'on peut calculer au lieu de calculer x carré? Donc on peut calculer e de x fois x moins 1. Comme ceci. Et ça, c'est égal à combien? L'espérance, qu'on a déjà calculé, c'est égal à lambda, plus l'espérance de x moins 1. Fois, pardon. Non, moins. Attendez. X. Voilà. Et donc, si, du moment qu'on a espérance de x et on a espérance de x pardon et on veut calculer ça, donc espérance de x carré, ça sera espérance de x fois x moins 1 moins plus espérance de x. Et donc, d'accord, on va essayer de calculer ça. Et ça, comment c'est égal à combien? Donc somme. Au lieu que ça soit ici i, ça va être i fois i moins 1 fois lambda à la puissance i fois exponentielle, fois i factoriel fois exponentielle moins lambda. Ce sera lambda carré. Attendez. Voilà. Donc déjà, l'exponentielle moins lambda, on peut le faire sortir. Comme ceci. Attendez. Toujours, on va essayer d'exploiter le développement limité de la fonction exponentielle. Donc ici, c'est égal à combien? Donc, si on veut faire descendre les deux i en bas, ça va nous donner combien?
Donc au lieu que ça soit i factoriel, ça sera i moins 2 factoriel. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut aussi faire comme changement? Attendez, j'ai juste enlevé ça. Voilà, il faut faire en sorte que qu'ici, il y a lambda i moins 2. Et donc? On en aura exponent moins lambda, lambda au carré, exponent plus lambda. Donc lambda au carré. Donc, on aura... Et donc lambda au carré fois... exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda, c'est égal à lambda au carré. Non. Et donc on peut déduire exponentielle x carré. Exponentielle x carré, ça sera lambda au carré non. Moins lambda. Plus lambda. Plus lambda, oui. Et donc si on reprend au niveau de la formule de la variance, ça sera égal à combien? Donc exponentielle x, pardon, espérance de x au carré, c'est, qu'est-ce qu'on a trouvé? Lambda carré plus lambda. Moins lambda carré. Et c'est égal à combien? Lambda. Alors toujours... Au niveau de la loi de Poisson, l'espérance, elle est égale à la variance. Et égale à lambda, qui est le paramètre de la loi de Poisson. Donc c'est tout ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que l'espérance égale à lambda, et la variance aussi, elle est égale à lambda. Donc voilà pour la loi de Poisson. Ce que j'ai dit par rapport à cette loi, c'est que quand on a un calcul en utilisant la loi binomiale pour des chiffres qui sont assez grands, on commence à avoir des problèmes pour le calcul des factoriels. Et donc, au lieu d'utiliser la loi binomiale, on peut utiliser la loi de Poisson. Car il y a une propriété qui dit que quand x il tend vers l'infini, la loi de Poisson, elle converge vers la loi binomiale. On aura P, la probabilité, si on la calcule en utilisant la binomiale ou bien Poisson, on aura presque la même valeur. Maintenant, pour lambda, pour le calculer aussi, il vous donne une table à l'examen. Donc, il va vous donner ces tables comme document autorisé. Donc, ça, c'est des lois qu'on n'a pas encore vues. On va aller vers la table concernant la loi de Poisson. Normalement, les tables à l'examen. Oui, oui. Bon, c'est celle qui concerne la loi de Poisson, donc. Vous allez voir, votre k il est égal à combien et votre lambda il est égal à combien. Et l'intersection, elle va vous donner la probabilité. Donc vous l'écrivez directement au lieu de faire le calcul. Donc la loi binomiale et la loi de Poisson, elles sont égales quand le n, j'ai dit, il est très grand. Mais quand le n il est petit, donc il est facilement calculable, donc il y aura une certaine différence entre le résultat obtenu par Poisson ou bien binomial. Vous pouvez le voir aussi au niveau du corps, au niveau du graphe, qu'il dessine pour les deux fonctions en même temps. Il dessine les deux fonctions en même temps et vous verrez que plus n est grand, elles auront la même courbe. Mais quand n il est petit, elles ont une courbe qui est assez quand même différente. Donc vous avez la loi, la table Poisson et la table des valeurs cumulées, donc les sommes. Donc tout dépend, et donc vous avez ça comme document autorisé. Voilà. Maintenant on passe à la loi géométrique. Quelle est la définition de la loi géométrique? Quelle est la définition de la loi géométrique? Dans quel cas on utilise la loi géométrique? À votre avis? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. Alors, dans quel cas on utilise la loi géométrique? Donc elle a un seul paramètre, c'est la probabilité. Donc G de P, c'est son symbole.
On l'appelle aussi la loi de Pascal. Et dans quel cas on l'utilise? Donc on l'utilise quand on a une succession d'épreuves de Bernoulli K-1 avec échec suivi d'un succès pour la KM tentative. Est-ce qu'il vous a expliqué ça en cours? Donc si au niveau de l'exercice on vous dit qu'on a échec au niveau de K expérience, puis on a un succès, là on utilise la loi géométrique. Et la formule Tara, c'est quoi? C'est P de X égale à K, 1 moins P à la puissance K moins 1 fois P. Voilà, donc 1 moins P à la puissance I moins 1, donc j'ai mis I parce que j'ai pas mis PK, fois P. Okay. Ça. Donc ça c'est les échecs et ça c'est le succès. Par exemple, pour voir juste son cas d'utilisation, regardez l'exercice numéro 6. Qu'est-ce qu'on vous dit? On transmet un message en code binaire par un canal de communication. Le message est donc une suite de 0 ou de 1 qui se succèdent avec des probabilités identiques et indépendantes les unes des autres. Par exemple, on a ce code binaire qu'on reçoit. Considérant un bloc quelconque de chiffres qui se répètent, soit des 0, soit des 1, il vous dit que le bloc il peut contenir qu'un seul chiffre. On choisit un bloc au hasard et on définit la variable x égale au nombre de chiffres dans le bloc. Trouvez la probabilité pour que dans un bloc choisi au hasard, le nombre de chiffres qu'il contient soit supérieur à une valeur donnée. Quand vous lisez l'exercice, qu'est-ce que vous pouvez déduire? Quelle est la loi que vous pouvez utiliser? Donc, on a K tentatives de Bernoulli. Donc, est-ce que c'est binomial ou est-ce que c'est géométrique? À votre avis? Attends, madame, je peux pas bien comprendre l'exercice. Donc, il est vraiment nombre et en décimal, c'est souvent binaire. Là, on reçoit un code binaire. Il n'y a pas de décimal, quand même. On reçoit un code qui maraca. Il croit que le bloc qu'on reçoit, il peut contenir soit que des 0, soit que des 1. Et le x, c'est le nombre de chiffres au niveau du bloc. Il vous demande de trouver la probabilité pour que dans un bloc choisi au hasard, le nombre de chiffres qu'il contient soit supérieur à une valeur donnée i. Ça veut dire tu reçois des 0, bah tu reçois 1. Quelle est la probabilité pour recevoir avec le 1? Ou là tu reçois que des 1, après tu reçois un 0. Quelle est la probabilité pour recevoir ce 0? On reçoit 1 après quelques... C'est comme la loi géométrique ici. Parce que on a une succession de i épreuves de Bernoulli avec le même résultat. Donc soit échec, soit succès. Donc on a que des 0, Béchambad on a un 1. Ou là on a que des 1, Béchambad on a un 0. Vous voyez donc, au niveau de l'exercice, c'est à vous de trouver la loi à utiliser. Dans ce cas-là, on va utiliser, donc quand vous avez les mots-clés succession, ou là, regardez, là on l'a deviné, le bloc peut contenir un seul chiffre. Regardez, soit des 0, soit des 1. La probabilité pour qu'après ce bloc de chiffres, on ait un chiffre différent, là, veut dire qu'on est en train de... On a la définition de la loi géométrique. Et donc, on l'utilise par rapport à la loi la loi binomiale. Et dans votre cas, le P, il est égal à combien? La probabilité d'avoir un 0 ou la probabilité d'avoir un 1, c'est égal à 1 sur 2. Voilà. Donc, vous allez remplacer au niveau de votre formule P par 1/2. Bon, on fera l'exercice après. On va juste faire les démonstrations nécessaire pour la loi géométrique. Donc, montrer que ça forme une densité de probabilité, donc la somme des PI. Donc, il faut avoir une somme égale à 1. Donc, c'est la somme de 1 moins P à la puissance I moins 1 fois P. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut la manier pour faire en sorte qu'on trouve la somme des PI égale à 1? On fait sortir le P et on construit un fil géométrique. Déjà. Une somme de ce PI. Voilà. Et ça, c'est égal à combien? 1 moins P puissance N sur 1 moins P. Donc
un mois. Non. Ça, c'est quoi? Somme de x à la puissance i, c'est égal à combien? Est-ce que vous connaissez cette formule-là? Somme de x à la puissance n égale à, je sais pas si vous l'avez vu en première année, 1 sur 1 moins x. C'est le développement limité de la fonction puissance. D'accord. Et donc, ça sera égal à combien ici? Le x tan a, c'est 1 moins p. Donc, ça sera 1 sur 1 moins 1 moins p. 1 moins p, ça sera plus p. Et c'est égal à p sur p. C'est égal à 1. Ici, donc, on a utilisé le développement limité de la fonction puissance. Ça serait bien aussi de réviser, bon, pas pour vous, hein, quand même, vous n'aurez pas les démonstrations, mais bon, pour trouver des démonstrations, il faut utiliser des choses qu'on connaît. Claire ? D'accord. Maintenant, l'espérance. Attendez. Donc, c'est la somme des PI fois I. Et donc, ça sera somme de I fois 1 moins P à la puissance I moins 1 sur fois P, pardon. Toujours, le P, il sort de la somme. Et ici, c'est égal à combien? Pourquoi? Attendez, faut enlever ça, ouais. J'ai oublié. Ah non, Donc, technique, il faut utiliser des notions en mathématiques. Donc, vous avez, comme j'ai dit, si... c'est pas facile d'écrire, mais bon. Si f de x, c'est égal à la somme de x à la puissance k, et donc c'est égal à 1 sur 1 moins x, maintenant f prime, c'est égal à combien? Je sais pas si vous avez vu ça en analyse. La dérivée, c'est égal à combien? Somme, dérivée de la fonction x puissance k. X puissance k. Et ça, c'est égal à combien? Un résultat que vous avez obtenu, vous, que vous connaissez, c'est 1 sur 1 moins x à la puissance 2. Et f2', donc on va l'utiliser après, on va le calculer. C'est égal à combien? Voilà. Donc, d'après les trois résultats, bon, ça c'est égal à quoi? Si vous vous souvenez, c'est 2 moins sur 1 moins x à la puissance 3. Donc, via ces trois formules, essayez de manier d'abord. Bon, pour la variance, on va avoir besoin de ça. Pour l'espérance, donc, on a ça. Bien sûr, j'ai oublié d'enlever le P. Donc, ça sera égal à combien ici? P fois. Sur, on va utiliser f prime. Claire?
On va utiliser ça. Le K, c'est I. Et le X, c'est P. Donc, ça sera 1 moins 1, en plus, parce qu'on a une parenthèse, le tout à la puissance 2. Et ça donne combien? P fois 1 sur P carré. 1 sur P. 1 sur P, oui. Donc, l'espérance, au niveau de la loi géométrique, retenez bien ça, c'est égal à 1 sur P. Maintenant, la variance. Donc, exponentielle, je ne sais pas pourquoi je dis exponentielle, c'est espérance x carré moins espérance de x le tout au carré. Donc, espérance de x le tout au carré, c'est 1 sur p au carré, on le connaît. Donc, il faut calculer ça. Voilà, on va écrire pour pas se perdre après. Donc, c'est quelque chose qu'on va obtenir moins 1 sur P au carré. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce calcul-là, pardon. Voilà, celui-là. Ex carré, c'est égal à quoi? C'est la somme des i au carré fois 1 moins p à la puissance i moins 1 au carré. On peut faire sortir le p. On va essayer de copier cette formule et de modifier un peu. Voilà. Ça. Donc, pour E, x carré, ça sera ici un i au carré. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser donc, les formules que je vous ai données? Bon, je ne sais pas si... On peut revenir. Voilà, hadoum. Comment est-ce qu'on peut calculer? Oui, oui. À travers ça. On a ici un i carré. Et ça, si on le développe, c'est quoi? C'est i carré moins i. Et donc, i carré, ça sera ça plus ça. Vous arrivez à voir, oulala. La première plus la deuxième fois, la troisième plus la deuxième fois. Oui, on va... Bon. Attendez. Ah, ça. Voilà. On revient ici. Donc, i carré. Ou là, si on démarre d'ici. Donc, somme i carré fois tout ça, fois x à la puissance k moins 2, moins k fois x à la, égale à, ce sera la somme de x carré moins la somme de x. Et donc, la somme de x carré, ça sera ça. Plus somme de x. Donc on a toujours le p fois. Donc on aura combien? 2. 2 sur 1 moins 1 moins p à la puissance 3, c'est égal à combien? Directement, c'est p à la puissance 3 moins 1 sur moins p sur p au carré. Et c'est égal à combien? Si on simplifie, donc c'est 2 sur p au carré moins 1 sur p. Vous avez compris?
Est-ce que vous avez compris? Comment est-ce qu'on est passé de là à là? On a utilisé ça. Et on l'a développé. Ça, c'est égal à k au carré moins k. Donc tout ça, qui est égal à 2 sur, égal à, pour k au carré, ça sera égal à 1 sur moins plus. Moins. Et donc si on remplace au niveau de l'expression de la variance, ça va nous donner combien? Ici. Donc le point d'interrogation, on l'a trouvé. C'est égal à 2 sur p au carré moins 1 sur p. Donc on va simple 2 sur p au carré moins 1 sur p moins 1 sur p au carré. C'est égal à combien? C'est égal à combien? Donc 2 sur p au carré moins 1 sur p au carré, c'est égal à 1 sur p au carré moins 1 sur p. Et ça, si on simplifie, c'est égal à combien? C'est égal à combien? Donc on veut avoir quelque chose sur p au carré. Donc ça sera 1 moins p. Voilà l'expression de la variance. Pour la loi géométrique, c'est 1 moins p le tout sur p au carré. Clair ? Oui, où est-ce qu'on s'est arrêté? Parce que vous avez commencé à ne plus me répondre. Où est-ce que vous vous êtes arrêté de m'entendre? Où est-ce que vous vous êtes arrêté de m'entendre? De 1 sur p puissance 3, normalement. 2 sur p puissance 3. Voilà, 2 sur p puissance 3 moins 1 sur p au carré. On a simplifié. On a enlevé le p ici. On a obtenu 2 sur p au carré moins 1 sur p. Et 2 sur p au carré moins 1 sur p, on l'a remplacé au niveau de l'expression de la variance. Donc, on a remplacé l'expression de ex carré. C'est 2 moins 1 moins p au carré. 2 sur p au carré moins 1 sur p. Moins 1 sur p au carré, c'est 1 sur p le tout au carré. Et c'est égal à, donc ça, donc 2 sur p au carré moins 1 sur p au carré, c'est égal à 1 sur p au carré moins 1 sur p, c'est ici. Et donc, on a encore simplifié, donc c'est 1 moins p sur p au carré. Donc ici, on a multiplié par fois p sur p, donc c'est p sur p au carré, 1 moins p sur p au carré. Donc l'expression de la variance, si vous l'utilisez à l'examen, ça sera directement ça. C'est bon? C'est bon. Voilà. Voilà, donc on a fini avec l'exercice numéro 2. Si vous voulez, c'est un exercice qui suit le cours. C'est les démonstrations des résultats du cours. Maintenant, si vous voulez, on peut revenir directement vers l'exercice numéro 6. Oui, on a déduit qu'on devait utiliser la loi géométrique. Donc, pour répondre à cet exercice, donc, il nous demande de calculer la probabilité que dans un bloc choisi au hasard, le nombre de chiffres qu'il contient soit supérieur à une valeur donnée. Donc, en réalité, c'est le calcul de quoi? On nous demande de calculer quoi? P de x supérieur ou égal à i. Et c'est égal à combien? Sachant que P... c'est 1 sur 2.
Donc c'est égal à combien? Comme j'ai dit, à chaque fois que vous avez une somme, vous avez un supérieur, ça sera P de I, P de I plus 1, P de I plus 2, etc. Donc ce sera la somme. La somme, elle est infinie. On ne peut pas savoir combien on va recevoir encore de bits, 0 ou bien 1. Et ici, le I, il démarre de... Le K, pardon, il démarre de I. De I. De PI. De PK, pardon. Sachant que PK, c'est une loi géométrique, donc on peut remplacer P par l'expression de la loi géométrique. Donc P... K, c'est l'expression de la loi géométrique. C'est 1 moins P. Donc le P tana, c'est 1 demi. Donc c'est directement égal à 1 demi fois à la puissance I moins 1, K moins 1, fois P. C'est aussi égal à 1 demi. Et ça, c'est égal à quoi? P. Donc P égale à 1 sur 2 et 1 moins P c'est aussi égal à 1 sur 2. Et ça, ça donne combien? 1 sur 1 moins 1 demi. Comment? 1 sur 1 moins 1 demi. Si on... C'est la somme de 1 demi puissance K. Voilà. Donc c'est 1 sur 2 à la puissance K directement. Voilà. Donc... Voilà à quoi égale la probabilité. Si on demande par exemple de calculer l'espérance, ici on va juste remplacer au niveau de la formule finale qu'on a obtenue. On a dit que l'espérance pour la loi géométrique c'est 1 sur P. C'est 1 sur 1 demi, c'est égal à combien? 2. Voilà. Donc voilà pour l'exercice numéro 6, parce qu'il était en relation avec ce qu'on était en train de faire. On passe à l'exercice numéro 3. Ils disent que les statistiques de contrôle de qualité montrent que 10% de la production d'une usine sont défectueux. Quelle est la probabilité pour que dans un lot de 20 articles, 5 soient défectueux? Donc, on nous demande de calculer une probabilité. Déjà, il faut... déduire quelle loi on va utiliser. À votre avis, quelle loi on va utiliser? Donc, on va faire combien de fois de l'expérience? On va faire 20 fois l'expérience de Bernoulli. Donc, c'est la loi binomiale. Avec n égale à combien et p égale à combien? Donc, n égale à 20. Et p égale à... P est la probabilité qu'un produit soit défectueux, c'est 0,1. Et donc, on a juste à remplacer. Donc, ça sera PI ou bien P5, c'est égal à combien? C5 parmi 20 fois 0,1. À la puissance 5 fois 0,9 puissance 15. Voilà. Et vous trouvez combien? Normalement, vous trouvez, parce que j'ai déjà fait les calculs, 0,03 1, 9, 214. Vous trouvez ça. Vous pouvez le vérifier aussi. Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? Quel est le nombre moyen de défectueux? À votre avis, comment est-ce qu'on va calculer ça? On a le mot-clé moyen. Ça vous fait penser à quoi? Oui. C'est le calcul, en réalité, de l'espérance. Et l'espérance pour la loi binomiale, c'est égal à combien, si vous vous souvenez? Sans passer par la... C'est n fois p, donc c'est... 15 fois 0,1. Et c'est 2, voilà. Donc, moyen, nombre moyen,
de défectueux, c'est égal à E. C'est égal à NP. C'est égal à 20 fois 0,1. Et c'est égal à 2. Donc en moyenne, on aura deux produits, deux articles ou bien je sais pas quoi, de défectueux. Voilà. Ils nous disent maintenant de faire le même calcul. Donc on a la même question. Si on avait un P égal à 1% et si on, a, on considère un lot de 200 articles. Donc ça sera égal à combien? Donc c'est tout. Voilà, Naya, on sera obligé de d'utiliser poisson. Pourquoi? Parce qu'on aura ici, au lieu de 20, on aura 200. Et aussi on aura 0,01. Et aussi on aura, et ici on aura, pardon, 0,99 à la puissance 95. Non. 195. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, déjà 200 factoriel, c'est pas évident à calculer. Et donc, pour ce cas-là, on va, au lieu d'utiliser la loi binomiale, on a un x qui est un n qui est très grand. Quand on a dit que quand n tend vers plus l'infini, la loi binomiale converge vers la loi de Poisson. Et donc, on peut, au lieu de calculer ça, on va calculer quoi? P5, ça sera égal à combien? Si on suit la loi de Poisson. Combien? 0,01. Déjà, lambda, il est égal à combien? Lambda, c'est n fois p. Donc, 0,01. Le lambda, oui. Non, c'est 0,01 fois 200. Oui, voilà, c'est 2. Et donc, si on suit la formule, c'est 2 à la puissance 5 sur 5 fois exponentielle moins 2. Et ça, vous remarquez que c'est plus facile à calculer. Donc, le résultat de ce calcul est identique à peu près au résultat de ce calcul. On aura, par exemple, des chiffres qui vont juste varier ici. Vous voyez? Parce que c'est pas vraiment égal. Ça tend vers. D'accord. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser la table. Pour... On a un lambda, il est égal à 2 et... K égale à 5. On va chercher lambda égale à 2. Donc, on a ici. Et voilà. Donc, c'est égal à 0,052265. Et ça sera égal à la même chose si on avait utilisé la loi binomiale. Mais le problème avec la loi binomiale ici, c'est que c'est pas évident à calculer. Donc, certaines calculatrices, par exemple, elles nous refusent le calcul de 200 factoriel. Parce que c'est un chiffre qui est très grand et qui n'est pas supporté au niveau d'un calculateur. Peut-être que 200, ce n'est pas évident, mais si on avait 1000, etc., ça n'aurait pas été évident. Voilà. On a maintenant l'exercice numéro 5. Non. Oui. Non, c'est plus l'infini. Vous les arrêtez? Oui, parce qu'on est un peu, le problème, c'est qu'on est un peu en retard. Il y a la série pour les variables discrètes et il y a la série pour les vecteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il a abordé les vecteurs. Oui, mais on a fait des vecteurs pour l'enfant. On a l'exemple sur la fonction du fait d'afficher. Ok, donc si vous voulez, on peut s'arrêter là. La prochaine fois, on fera l'exercice numéro 5 et l'exercice numéro 7. Et on entamera la nouvelle série, la série numéro 5. On ne la finit pas. D'accord. Ok. Merci beaucoup. De rien. Merci, madame. De rien. Et c'était clair? Oui, c'était clair. Je pense que oui, vous étiez juste un peu fatigué à la fin.
Oui, c'est... En fait, ça nous a éclairci un peu la théorie. Les autres portent le terrain de cours, parce que c'est un peu... Voilà, parce que Fulcourt, il ne vous donne que des résultats comme ça, et ce n'est pas évident. Oui. Ok, donc... Merci beaucoup. Vous allez envoyer... Oui, oui, je vous envoie le corriger, bien écrit. Oui, oui, je voulais... Oui, oui, je voulais... Je vais juste les saisir au niveau de Word, avec les sommes, etc., pour que ça soit plus lisible. Merci. Voilà. Donc à la prochaine.